Autant le dire tout de suite, la NES avait eu un panel de jeux véritablement impressionnant. Et beaucoup mettaient une grande claque dans la gueule à partir du moment où on insérait la cartouche dans la console. Je veux dire, on avait quand même des putains de bons jeux sur NES. Les Double Dragon, les Super Mario Bros, Ghost and Goblin, Shadow Warrior, donc également appelé Ninja Gaiden, et même le Batman de Sunsoft, autant dire que franchement, la ludothèque ont été gâtés. Mais aucun n'a mis autant une baffe que le Kabuki Quantum Fighter qui avait été réalisé en 91 par Human Entertainment et HAL Laboratory. Autant dire que tout de suite, au niveau de l'histoire, c'est un petit peu perché. 91-92, c'était la sortie de la Super NES, autant dire que tout le monde avait les yeux rivés sur la petite 16 bits, et plus personne ne faisait véritablement attention aux sorties sur la 8 bits. C'est bien dommage parce que ce Quantum Fighter, mine de rien, il en impose. L'histoire n'est pas véritablement extraordinaire, mais elle a le mérite d'être sympathique et attirante, même si je dois avouer qu'elle propose un sympathique clin d'œil à un autre univers que j'apprécie. Je veux dire, c'est pas dans n'importe quel jeu vidéo ou n'importe quel film qu'on voit un virus informatique s'emparer d'un satellite pour balancer des attaques nucléaires sur la Terre. Oui, moi aussi j'ai pensé à ça. C'est donc vous, alias Colonel O'Connor, qui s'y colle afin de sauver les miches de 6 milliards d'habitants sur Terre. C'est donc vous, par le biais d'une machine appelée IST pour Image System Transfer, qu'on peut envoyer au casse-pipe dans un ordinateur afin de retrouver le virus et lui péter allègrement la gueule. Je dis bien péter la gueule parce que je dois avouer que quand vous apparaissez dans le niveau 1 sous la forme d'un kabuki, ça désappointe un peu, on se sent un peu perdu, et tout de suite quand on se rend compte qu'on met des coups de poing et surtout des coups de cheveux dans la gueule, autant dire que bizarrement, ça fait un choc. Après tout, c'est pas tous les jours qu'on voit un kabuki casser la gueule à des virus informatiques. Le jeu vous propose donc un joli total de 6 niveaux. Ça paraît pas bien long, mais je peux vous assurer qu'il y a du challenge parce que vous allez devoir faire preuve d'agilité, de rapidité, de concentration pour passer l'ensemble des niveaux proposés, quand ça ne sera pas directement des combats. Évidemment, chaque niveau se termine par un boss plutôt nerveux qu'il vous faudra abattre afin de passer au niveau suivant. On remarquera par ailleurs que chaque boss vous laisse une arme qui vous permettra de progresser plus facilement dans un niveau suivant. Oui, moi aussi je pense à Megaman. Au passage, chaque niveau est ponctué de petites cinématiques qui vous permettent d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et le déroulement des événements. C'est pas aussi bien foutu qu'un Shadow Warrior, mais au moins ça a le mérite de nous proposer un univers plus immersif. Scott O'Connor, donc notre Kabuki, est un personnage agile, rapide, capable de beaucoup de prouesses comme s'agripper, se balancer, se suspendre. Bref, autant dire qu'il a tout du félin. Pour certains, 6 niveaux, ça doit pas être énorme, et pourtant je peux vous assurer que vous allez en baver pour finir le jeu. Parce que rien que niveau 3, c'est un cauchemar personnifié, un véritable enfer que vous allez recommencer un nombre impressionnant de fois, entre les obstacles, les plateformes de glace qui vous font glisser, et les différents ennemis qui vont et va et vient à une vitesse fulgurante. Oui, moi aussi j'ai recommencé un nombre de fois faramineux ce niveau. Et en plus, autant dire que le droit à l'erreur est rarement pardonné parce que dans un niveau tel que celui-là, où la progression est verticale, de bas en haut, vous pouvez par exemple chuter et vous retrouver à nouveau tout en bas, ce qui est limite frustrant sachant que le timer défile à une vitesse assez impressionnante. Parce que oui, vous avez également un timer qui sera votre pire ennemi dans ce jeu. En plus du timer et de votre vie à gérer, vous aurez également à gérer votre arsenal. Arsenal qui sera plus ou moins limité en fonction des armes que vous utiliserez. Si votre superbe tignasse peut être utilisée de façon illimitée, les armes comme des puces informatiques ou encore des espèces de bâtons dynamite, elles vous consomment plus ou moins de puces. Des puces qui seront vos munitions. Plus vous utilisez une arme puissante, plus les puces seront bouffées. Et autant dire qu'elles ne sont pas toujours faciles à trouver. Les décors quant à eux sont relativement bien foutus, et pour un décor qui est censé être informatique, je dois reconnaître qu'il est vachement réaliste, dans le sens où véritablement il ressemble à quelque chose qui pourrait avoir été construit par les humains. Je veux dire, on passe quand même de décors parfois classiques à des superbes chutes d'eau pour finir dans des lieux totalement organiques. Assez imprévu pour un ordinateur, vous trouvez pas? Les graphismes quant à eux rendent parfaitement honneur à la NES. Pas dégueu ni dégoulinant, autant dire que franchement c'est du beau boulot. J'ai parfois l'impression de revoir le Batman de Sunsoft quand je vois ce jeu. Au final, j'ai envie de dire que ce jeu n'a pas vraiment quelque chose qu'on pourrait lui reprocher, à part sa difficulté et aussi le fait qu'au final, il ne soit sorti que sur la petite 8 bits. Peut-être qu'une réadaptation sur 16 bits, voire même une sortie directe sur cette console sans passer par la petite grise de Nintendo, lui aurait permis de passer moins inaperçu. En clair, c'est un jeu qui n'a pas eu le succès qu'il méritait, ce qui est bien dommage, car je peux que vous encourager à le découvrir, ou à le redécouvrir. Pour ma part, j'ai passé d'excellents moments sur ce jeu, et j'espère que pour ceux qui pourront le découvrir un jour, ils s'amuseront tout autant que moi. C'était donc Blackie, avec l'autorisation du docteur Demos cette fois, et je vous dis donc à la prochaine pour une autre présentation. Ciao tout le monde!